A tough game. I thought it was. We lost it just either side of half time. You know, to not be able to hold on with two minutes to go before half time, concede that try and concede a try two minutes after. I thought we was in. Pre I thought was in control of the game first half, uh, field position, possession. I thought our effort was great. I thought we we went after the game. I thought we were in control of the game, but our big lapse of concentration just before half time and that eight ten minutes after half time. Um, we had a huge effort there from a from a team that's obviously lacking a little bit of confidence out the minute. We've got to fight our way back in it now. That's the that's the challenge. So it's an intriguing end to the season. And uh, yeah, we just gotta we just gotta go. We've got three games to go, we've gotta go win three games and see where that takes us. Yes, yeah, it's encore un samedi décevant. ça ressemble à beaucoup de schéma qu'on a répété cette année, une bonne première mi-temps, an entame de second mi-temps. qui remet l'équipe complètement dans le match. Je pense que même euh, cette fin de première mi-temps euh, et ce début de seconde mi-temps nous, nous tuent. Parce que je pense que notre entame, on leur marché de succès au niveau de la possession et de la position. Et, euh, et ils ont complètement inversé la vapeur en ce début de, de seconde mi-temps. Et euh, derrière, face à une équipe comme ça, ben, c'est compliqué de, de recoller. On a eu des opportunités, mais euh, mais euh, voilà, ce soir, euh, cette seconde mi-temps, nous encore une fois euh, on passe à travers et, euh, et je pense que euh, on est tous déçus. Ouais, ouais je pense que peut-être cette semaine c'était euh, encore mieux, surtout au niveau de, euh, de notre vitesse de rock Je pense qu'on leur a posé des problèmes. Euh, euh, ils ont eu du mal à nous contrôler, on a avancé, on a fait des mètres, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que euh, ça a été complètement l'opposé dès l'entame le, dès de... Euh, de seconde mi-temps alors après ben, on, a, on a réussi à, à ressortir la tête de l'eau mais, euh, mais voilà c'était euh, le mal était déjà fait et, et c'est pas c'est pas assez bon on va le prendre match après match de toute façon euh, nous c'est notre objectif on sait que euh, voilà on veut se qualifier pour les phases finales mais on va regarder euh, match après match là le prochain c'est Salford donc on va se concentrer pour aller chercher la victoire contre Salford et on regardera le classement après parce que maintenant tout nous dépendra peut-être pas de nous euh, il voilà, y a d'autres clubs, il y a d'autres matchs, mais euh, voilà, nous on sait qu'on a trois matchs à aller gagner et euh, c'est notre objectif. ouais bien sûr, euh, on avait à cœur de, de gagner, surtout en, en revenant à la maison. Donc euh, voilà, on est déçus, mais à nous de, euh, de se remettre vite de cette défaite, parce qu'il voilà, y a encore des matchs à jouer et euh, la saison n'est elle, elle pas finie. Et, euh, voilà, il ne faut pas lâcher maintenant, euh, on a encore l'opportunité devant nous, à nous d'aller la chercher et, euh, et euh, de continuer à, à bosser. On a bien un peu, je vais dire un peu ce qu'ils ont dit, euh, mes collègues, on a bien entamé euh, le match avec euh, des bonnes intentions. On a respecté le plan de jeu qu'on avait mis en place toute la semaine. Mais euh, je pense que la fin de la première mi-temps, ces cinq dernières cinq minutes et l'entame de la seconde, seconde période a été cruciale dans, dans ce match. Euh, un peu, ouais. c'est vrai que c'est un peu le reflet. Euh, on fait des bonnes premières mi-temps, on arrive à, à accrocher tout le monde et, euh, et en seconde période on a un peu une baisse de régime. Euh, comment l'expliquer, je ne sais pas, sinon on, on le ferait correctement. Mais euh, voilà, il faut, il faut continuer à travailler. La saison n'est pas finie, euh, et il faut y croire, il faut rester ensemble. C'est sûr que cette année, on n'a pas eu trop de chance au niveau des, des blessures, mais voilà, on ne va pas s'abattre sur ça. On a un groupe de qualité. Euh, tout le monde doit jouer son rôle dans cette année. Et, euh, et quand on doit jouer, on doit répondre présent. C'est tout ce qu'il qu faut faire. On, on s'est compliqué à la tâche. Mais maintenant, c'est à nous de répondre positivement et, euh, et d'aller chercher cette victoire à Salford, d'aller chercher cette victoire à Londres et à Hull et finir dans le top 6. Forcément, on, est tous, on veut tous gagner ces, ces matchs-là. Je pense qu'au niveau de l'attitude, on avait mis les ingrédients pour remporter. Pour au final, on n'a pas le résultat qu'on souhaite. Mais voilà, on va, on va, on va faire tout ce qu'il faut pour, pour gagner ces trois derniers matchs. Non, on s'est dit, dit les vérités. Je pense qu'on a fait une super semaine d'entraînement. On avait préparé le match comme il faut. Voilà, on avait retrouvé la France. On était parti pendant 15 jours en Angleterre et ça fait du bien de rentrer. Et là, on avait fait une super semaine d'entraînement. On l'a vu au niveau de, de l'attitude et de l'énergie qu'en première mi-temps, on avait ce qu'il faut pour remporter. Je pense qu'il voilà, y a un bloc de 10 minutes ce soir qui nous coûte le match.